où est passé le canon? J'en ai découvert quelques-unes en live sur les écrans d'attente. Pour ça que j'ai beaucoup aimé que t'en mettes en fin de live. Ouais, j'aimerais juste pouvoir mettre ce que je veux en fin de live. Et pour l'instant, c'est pas définitif, hein, d'ailleurs. C'est toujours en test. J'ai pas reçu de réclamation pour le moment. Normalement, sur ce genre de contenu, je peux pas en recevoir. Mais voilà, c'est encore en test. Une fois que ce sera ok, bon, on passera peut-être à ça de manière définitive. Peut-être que je ferai un petit encadré avec le titre de la musique qui joue, quelque chose. Aucune promesse là-dessus, on verra bien. À mon avis, les objectifs là-bas, je vais devoir les abandonner. Si on n'arrive pas à avoir une reddition ennemie, on va sûrement partir sur une demi-victoire. Où est-ce que vous êtes parti, vous? Et vous étiez là? Pourquoi vous êtes parti de là et que vous passez par là? Ou alors c'est moi qui vous ai dit de passer. Ah, c'est peut-être moi qui leur ai dit. Ouais. Oups. Ouais, je sais plus si j'ai sauvegardé, on va refaire. Et j'aurais dû prendre une pause de 10 minutes idéalement. Tant pis. On termine cette mission ce soir. Ça va pas être comme l'autre gars qui vient de faire un marathon de 28 heures de jeu parce qu'il voulait faire une partie de... Il voulait remporter une partie de Warzone. Je sais plus quel streamer, c'est pas important. Mais il voulait être top 1 et apparemment ça lui a pris 28 heures non-stop. On fera pas ça. Tu verras la fin de la mission demain soir. Pourquoi ça? Ah non, ils ont pas envie de passer au-dessus de la haie. Ou alors ils passent carrément à l'autre bout, quoi. Ah, il y a le Pathfinding qui fait Nawak, c'est cool. J'aime bien. Faire mon sac pour demain. Ah, pas de télétravail demain? Mais quelle idée. Ah, MG. Où ça? Sur qui? Après ton live de 23 h. Oui, non.
Surtout sur cette chaleur, au bout de 4 heures, ça devient compliqué. Je sais pas où ça tire. D'accord, ça tire là-bas. Ah bah oui, forcément. Ça vient d'où? Ça vient de là, ok. Instant. Merci bien. Même technique, hein, on va bombarder le bâtiment jusqu'à faire une baie vitrée à l'intérieur, mais sans la vitre. Ça marche. Passe une excellente soirée, old boy. Merci beaucoup pour ce soir. Tu restes pour voir la fin. Ah bon? Pas compris. Du coup, j'ai pas compris ton message, pardon. Ok, ça marche. Donc ici on va charger un petit peu, on va prendre Stettin et on va demander un cessez-le-feu une fois qu'on aura pris cet objectif et Crossroad. Ok, Crossroad, c'est bon. Sherman a pris comme mission divine de détruire l'arbre. Ici. Écoute, tant mieux, fais ce que tu veux.
Tant pis pour l'économie de munitions. Je suis pas intéressé. Ok, cool. Target light. On a deux Sherman qui vont mitrailler. J'espère que c'est dans ce bâtiment, pas celui d'à côté, sinon on passe pour un con. Un autre jeu où j'attends des promos et on y jettera un oeil. Il y a Hell Let Loose qui permet de jouer les Finlandais. Et j'ai pas fait le DLC, mais j'ai vu récemment une partie. Ça a l'air assez intéressant. Donc peut-être qu'on fera un peu de Hell Let Loose prochainement. J'ai vu qu'il y avait pas mal joué aussi Old Boy. Un bon jeu. Ça y fera peut-être rire. Oh, bon, à mon avis, les Allemands ont bien besoin de se marrer en ce moment, ouais. Voilà. On pas l'air de temps. Ils sont à côté. Et merde.
On sortira des éclaireurs. Ouais, avec les mods. J'ai vu qu'ils allaient enfin sortir les Américains. Ça va être cool. Par contre, je suis vraiment pas hype par le prochain Man of War. Je sais que c'est pas les mêmes gars, mais c'est le même moteur après tout. Déjà dispo chez toi. Ouais, je sais. Avec le mode Valor, c'est ça? C'est pas un moment que ce mode se trimballe d'un titre à l'autre, c'est assez cool. La tête qui dépasse, copain. Quoi comme jeu? C'est un jeu de stratégie en temps réel. T'as quelques... Je t'envoie la page. T'as quelques éléments assez intéressants dans le jeu. Mais c'est très arcade. C'est tiré de la série Man of War. À la base, c'était un mode, si tu veux, qui était en développement. Et puis, ça a été. Ils ont passé un contrat avec le développeur, mais du coup, ça devait se rajouter à leur dernier jeu parce qu'ils ont des super moins bien, enfin, ce genre de truc. Donc, c'est du bidouillage, hein, à la base. Et du coup, ils ont pris une direction un peu différente de la série principale. Cette version-là est plus axée réalisme que Man of War de base. De loin même, mais c'est pas encore. Ça reste assez arcade. Ouais, t'as des trucs assez sympas. T'as ta possibilité de générer du contenu. De manière assez procédurale. Enfin, tu peux jouer à ça pendant des centaines d'heures sans trop de problèmes. Tu peux directement prendre le contrôle des soldats ou des blindés, ce genre de choses. Peut-être tu passes dans un TPS ou un FPS carrément. Avec les limitations du moteur. Mais tu peux le faire. Ouais. Ouais, dans l'idée, c'est vachement sympa. Et comme le mentionnait Oldboy, t'as une grosse scène de modding sur ces jeux.
Il est mort ou pas? Ah cool, on a eu l'AMG. Un lien vert. Mais oui, tu peux. Ah. Vas-y, ça marche. Ok, alors, messieurs les éclaireurs. J'ai besoin que vous fassiez... vous montriez devant. Et on va les faire traverser comme ça. J'aime pas cette série de bâtiments. J'aime pas la combinaison série de bâtiments comme ça et plaque et 20 mm placé quelque part. Une fois qu'on bousille l'un, on pourra bousiller l'autre sans trop de problèmes. Lui se rend. Il est dans la charpente en même temps. Il doit crever de chaud le pauvre. Ou de froid. Bon, ok. J'aime pas ça. J'aime pas ça, tu sais qu'il y en a partout. Tu sais que dès que tu sors le nez, tu vas te faire canarder. Je m'attends presque à ce qu'il soit là, peut-être, ou là. Peut-être bien là, ouais. À prendre ce bâtiment.
pour un groupe soviétique, il nous manque quand même pas mal d'artillerie, je trouve. Alors peut-être qu'on manque de munitions ou alors qu'on avance trop vite par rapport au reste du groupe, je sais pas. Mais je dirais pas non à plus. Plus, on n'est pas unité de la garde. Briefing. On va pas être là, ça va être dans campagne. Campagne. Nope. Même pas drôle. Non, on est devant une unité de la garde. Mais on n'est pas une unité de la garde. Alors, est-ce que quelqu'un est mort en rentrant? Non. Ok, donc il n'y a peut-être personne là-dedans. Okay, on n'a pas été mitraillé sur les abords. Eux n'ont pas été mitraillés non plus. Si on peut faire ça, alors je suis quasiment certain qu'il n'y a rien là-dedans. J'ai la troisième qualité de vie au monde dans ma nouvelle partie avec l'Australie, encore plus simple qu'avec les Indiens, juste à construire des ports pour accéder au marché britannique. Et si c'était pas un 20 mm, mais un véhicule avec un 20 mm? Ce serait mieux. C'est plus facile à toucher. Ça a été fondé quand l'Australie? Ok. Bon. Et du coup, ce serait là-dedans. Oh là, l'enfer. Ok. On a un canon là-dessus? On a un canon. 1er janvier 1901. Ah, c'est récent. Ouais, la New South Wales, c'est vrai que c'est... tu commences pas avec l'Australie, j'avais oublié.
Mais bon, c'est la même chose. Il y a des kangourous et des araignées de la taille de mon bras. Fais gaffe au MP. Je fais ce que je veux d'abord, mais ok, ça marche. Merci beaucoup. MP Discord, je suppose, du coup. Il reste un char, possiblement, ouais. Probablement pas un char. Probablement un 2-2-2 ou quelque chose du genre. À avoir les yeux qui gonflent. Au plus tard, on demande un cessez-le-feu dans 20 minutes. Oh. T'as fait tink. Il y a du monde là-bas. C'est 20 mm. C'est le 20 mm que je ne vois pas, mais que lui me voit très très bien.
2.2.3 il me semble cette version. Ok. Ça c'est bon. Non on va pas. On va quand même s'assurer que la ville est nettoyée, enfin le village est nettoyé et puis on. On va cesser le feu après. Un puma? Non, pas tout à fait. Le puma, c'est ce véhicule, mais avec une tourelle en 50. ...234. Je ne retrouvais plus le numéro. On verra une fois le scénario terminé. Je peux plus réfléchir à cette heure-là. Tu sais, c'est trop la galère, la canicule pour moi. Allez, c'est fini. Cessez le feu. Victoire tactique. Ok, cool. On a 7 tués, 3 blessés, 1 char perdu, 2 véhicules blindés perdus. 320 hommes, ok. Ils ont 104 hommes, ok. 90 tués, 43 blessés, 15 perdus, 3 chars perdus, 4 véhicules blindés détruits. Un véhicule autre, qui est un camion. 234, c'est ça. Et c'est le slash 1, c'est le slash 2 qui est appelé Puma. Enfin, qui est souvent appelé Puma. Même si la dénomination Puma ça a eu tendance à s'étendre un petit peu. Et que tu la retrouves sur... À en croire certains joueurs de War Thunder, tous les véhicules basés sur 4 roues allemands sont des Pumas. Donc, bon. À ma connaissance, il n'y a que le 234 slash 2 qui a eu le nom de Puma. Qu'est-ce que ça donne pour le reste? Ça donne qu'il restait pas mal de monde. Ici, on a eu un mortier. Ici, un autre mortier avec... tiens, c'est rigolo, avec deux obus fumigènes restants. Donc lui a dépensé ses obus. J'ai pas vu où. Ça, c'est les mecs qui étaient responsables de transporter les munitions pour le canon de 37.
Ta, ta, ta. On a une autre équipe Panzer Shrek ici. Notre équipe ici, le gars a récupéré le Panzer Shrek sur le. Je crois que c'est là où on a flingué la moitié des gars. Ouais. Donc il a récupéré l'arme sur le mort. Ici c'est pas mal. Vogue-Storm. Vogue-Storm également. Au niveau du Jagdpanzer, on avait. Donc l'équipage plus une MG42 ou 34? 34. Ok, config lourde. Le pack ici attaché à la Vogue-Sturm. Transporteur de munitions. On a le quad qui était là-bas. Il n'y avait quasiment plus de munitions. C'est bon à savoir si on doit en affronter un autre. Mais bon, terrifiant ce truc-là. Ta, ta, ta. Ils avaient plus de blindés, donc ça c'est cool. Ah, toi tu transportais des munitions de mortier, tu m'étonnes que t'as fait un gros boom. Oh, ici on a une équipe Sturm. Vogue Sturm. La vache. Ils sont tellement armés ceux-là. Si vous souhaitez un peu plus de. Enfin, si vous souhaitez vous renseigner sur ces équipes-là. Il y a un bouquin qui est sorti il y a 2 ans. Qui doit encore être trouvable sur le net. Et ce bouquin-là les concerne. C'est la régulation qui gérait ces unités, globalement. Super intéressant. T'apprends pas mal de choses sur l'utilisation du MP44. En ville. Tiens, ici on avait une autre équipe mortier. Équipe MG qu'on a détruit. Il n'y a plus un seul Allemand dans la ville, c'est bon à savoir. Donc Vogue-Sturm. Où est-ce qu'on en a eu d'autres? De toute façon, c'est simple, on n'a vu aucun Allemand en uniforme dans la ville, je crois. Ouais, Vogue-Sturm aussi. Ouais, du coup, je sais pas du tout. Ça s'utilise comment en gros? Au coup par coup? Et absolument pas en automatique, sauf en extrême urgence. Et pas du tout comme tu le vois dans Call of Duty et compagnie. Ce qui n'est pas une grande surprise, hein, tu me diras, mais c'est une arme automatique qui était censée être utilisée au coup par coup. Ok, bon, bah, je suis bien content. Ah, la flaque. Alors, il restait un membre vivant dans l'équipe. Et tout ce petit groupe. Yeah! Mission, on va dire 6. Je suis pas surpris autant que j'aurais été avant. Il me semble que c'est avant tout une question de conservation des munitions. Puis tu as aussi l'idée du recul, tout simplement, hein, sur ce genre d'arme. Mais c'est une arme qui est assez intéressante. Je t'enverrai une vidéo qui en parle de la chaîne Forgotten Weapon. En gros, c'est un projet qui a été retardé plusieurs fois par Hitler et compagnie, quoi. Hitler ne voulait pas de cette arme. Allez, on va jeter un œil à la prochaine et puis on en restera là.
Après, moi personnellement, j'ai pas trop lu sur cette arme, juste sur utilisation, on va dire. Faudrait que je relise un de ces quatre, je l'ai lu il y a longtemps. Mais normalement, j'avais même fait un PDF récapitulatif. Je peux peut-être le retrouver et vous le passer. On verra. Il y avait des trucs assez cool, hein. Bon, c'est une arme qui avait un développement compliqué, du coup. Hey, Berlin! Yes, enfin! Notamment, ils ont jamais réussi à faire un lance-grenade avec ça. Enfin, jamais une version lance-grenade. Pour ça que dans ces escouades, t'as souvent encore un CAR 98. Berlin s'étend devant nous. Ah, trop bien. Donc nous, on avance du nord. Nord-ouest, on va dire. Ok. Alors on a 4 tubes de 152, 4 tubes de 82, on n'a pas de renfort. Force ennemie, surtout que Vogue tourne. Des jeunesses hitlériennes apparemment. Ok. Ok, donc on est encore sur la périphérie. Oh là là. Oh, oh, bonjour. ISU 162S. Je pense que j'aime bien. On a trois de... On a nos trois T-34. Alors malheureusement, on n'a pas été réparé. Ok, on n'a pas été réparé, mais on a nos remplacements. Nos remplaçants, pardon. Ou du moins une part. Tiens, c'est rigolo. D'accord, on a un seul qui a été rattaché à ça. Ok. Ouais, bon, je veux dire, on va faire avec, hein, ça devrait le faire. Ouais, on a des pertes à droite, à gauche. C'est pas parfait, mais ça devrait le faire. Et au niveau du plan d'action, ça veut dire qu'on a vachement de choix. Passer par là, passer par les ponts. Ici, on aura sûrement un canon. Ça va être trop beau pour qu'on n'en ait pas. Beer Garden. Ouais, ça va être une belle galère. Et on fera ça la prochaine fois. On va chercher moustache par le slip. Oh ouais. Allez, on en reste là. Merci YouTube. On se retrouve bientôt.